Hey, salut tout le monde, c'est Zedion, et aujourd'hui on se retrouve. Oula! Attendez. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Channel Z, le 10ème Channel Z. Et écoutez, c'est un. Et donc, ok. En premier point, nous allons parler. Ah oui, désolé de cette intro totalement foirée. En premier point, nous allons parler tout simplement pourquoi il y a eu une grosse absence sur la chaîne. Donc j'ai fait une grosse pause. Mon chat ouvre la porte. Pardon. Donc j'ai fait une grosse pause tout simplement parce que j'en avais besoin en fait. Ça fait quand même presque 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube chaque semaine. Et au fur et à mesure on prend une routine. Et justement ce qui est mauvais c'est que du coup je faisais plus mes vidéos par envie. Enfin je les faisais un peu par obligation. Et ça colle pas avec ce que je voulais faire. Donc j'ai essayé de faire une pause pour m'aérer les idées. Pour vous aussi d'ailleurs, pour que vous puissiez vous aérer les idées un petit peu. Voilà. Donc c'est bon, maintenant je suis revenu, pas encore avec beaucoup de motivation, mais j'espère qu'il va venir. En deuxième point, très vite fait, on va parler des séries. Donc le LPZ, ça continue comme vous pouvez le voir. Wow, franchement j'adore le LPZ. Zur Map aussi, je m'amuse très bien à le faire. Ça va revenir, ça va continuer, une nouvelle série. Une nouvelle saison, pardon, sur une map de Silverman. Voilà, on verra plus tard. Je n'ai pas encore tourné, hein. Counter-Strike ça va revenir. Enfin ça c'est jamais parti. Enfin Counter-Strike voilà, il va y avoir encore des vidéos. Il y aura peut-être plus de vidéos sur les serveurs. Et peut-être d'autres jeux, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Ah oui, et aussi il y aura le retour des catacombes. Enfin, entre guillemets, des catacombes désert, ça a changé de nom. Mais en tout cas, tout est presque prêt pour tourner. En troisième point, écoutez, je vais faire un nouveau concours parce que le premier vous a beaucoup plu. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui vont participer au concours. Mais écoutez, c'est génial. Donc ce concours, il sera avec 5 gagnants. 5 gagnants, donc le même prix que la dernière fois avec les sims aléatoires. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance récupérer mon sub. Voilà. Donc écoutez, l'annonce sera faite dans une heure avec toutes les modalités d'inscription, enfin bref, voilà tout ça. Tout sera expliqué dans une vidéo dans une heure, voilà. En quatrième point, excusez-moi vous tournez le dos. En quatrième point, un petit questionnaire sur la chaîne. Qui se nomme et vous en pensez quoi de la chaîne? Il porte bien son nom parce que justement on vous posera des questions sur ce que vous pensez de la chaîne. Donc vous avez des questions en choix multiples et tout, par exemple sur la ride, sur la qualité, sur plein de trucs. C'est très important parce que justement il va m'aider à saisir ce qu'il faut faire. Et vous, vous pourrez me dire si vous avez des problèmes, des trucs comme ça. Donc écoutez, mettez-y du cœur s'il vous plaît. J'espère avoir beaucoup de retours, en tout cas c'est un freinant plaisir. Voilà. En cinquième point, et là je pense qu'il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec moi. J'ai lancé une page Patreon. Donc Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est un système en fait, un site où vous pouvez faire en gros des dons par mois. Par exemple vous dites écoutez, moi je te fais un des dons de 1 € par mois pendant 3 mois. Et en gros si vous faites ça par exemple, et vous aurez, alors bon je suis pas très d'accord avec ce système mais j'étais un petit peu obligé, enfin de dire vu qu'il te le propose autant le faire. Il propose après d'avoir des récompenses, en gros vous avez une récompense si vous faites un don. Bon, je suis pas vraiment d'accord avec ce système parce que je trouve ça un peu méchant, mais pour ceux qui font pas de dons. Mais bon, après, voilà, c'est le but du site, donc voilà. Tout simplement, je fais une récolte de dons pour pouvoir faire de nouveaux concours parce que le premier concours, c'est moi qui ai payé avec mon argent à moi. Et. Mon argent à moi. Oui, bravo, l'argent à moi. Et celui-là, par contre, celui qui va arriver dans une heure, ce sera avec l'argent que j'ai eu, donc la YouTube Money, comme on peut appeler. Tout simplement, avec cette YouTube Money, c'est vous, c'est grâce à vous que je puisse, c'est grâce à vous que je peux faire ce concours. Donc je vous remercie du fond du cœur de pouvoir faire ce. Je suis désolé si la qualité de la vidéo et si le micro, voilà, mais c'est une vidéo que je vais faire un peu rapidement, j'ai pas trop le temps. Voilà, donc du coup, écoutez, Patreon, c'est de l'argent, donc c'est pas de l'argent qui va revenir à moi personnellement pour moi. Non, cet argent je vais le réutiliser par exemple pour acheter des jeux, pour faire des let's play, pour acheter de nouveaux matériels. Bon, peut-être pas forcément des nouveaux matériels tout de suite ni des jeux, mais en tout cas je l'utiliserai pour faire des concours, ça c'est sûr. Donc écoutez, je sais pas, bien sûr si vous pouvez pas faire de dons c'est pas grave, mais voilà, après j'ouvre cette page, on sait jamais si des fois vous voulez participer à l'avancée de la chaîne, et vous pouvez.
Voilà, et c'est, je pensais que c'est, je trouve que c'est quand même important de vous le dire, parce que ben au moins vous pouvez aider concrètement à la chaîne. Voilà. Mais bon, en tout cas, je préfère beaucoup plus que vous répondiez à la vie que à me faire des dons. Enfin, à faire des dons à la chaîne. Voilà. Et en sixième point, bah écoutez, on va parler vite fait des haters. Parce que oui, bon, c'est un petit peu aussi la chaîne. Bah écoutez, si vous m'écoutez, ben je sais pas quoi vous dire. Même si vous êtes toujours là, je le sais. Au pire, je m'en fiche, c'est pas grave. Vous pouvez être 5 000, 10 000, 30 000. Il n'y a aucun problème. De toute façon, enfin, je dirais aucun problème dans le sens en fait où moi je m'en occupe pas. En gros, pour moi, vous n'existez pas. Moi, je préfère par exemple si je sais que tous les pouces rouges, c'est toujours les mêmes gens qui mettent tout le temps, au pire, je m'en fiche. Mais si je me dis, tiens, il y a de plus en plus de pouces bleus, bah tiens, là, je me dis, tiens, il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés à la chaîne. Et voilà. Donc, c'est vraiment. Voilà, donc moi, je suis plus content de vos avis. Que des haters, en fait, les haters, à part tenter de pourrir la chaîne et de pourrir le moral, ça fait rien quoi. Voilà. Et en 16e point, un petit cadeau de Silverman. Bah écoute, encore merci à toi, Silverman. Je sais que Silverman est venu beaucoup de fois dans ce genre de Z. Voilà, donc ce sont des petites images qu'il m'a faites en fait. Donc on peut appeler ça des fan art, entre autres. Bah écoute, merci à toi et tout de suite, le diaprama. Bon écoutez, ben merci à toi Silverman et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Donc si vous avez quelques retours à faire sur ce que j'ai dit dans ce channel Z. Alors en tout cas, je suis de renouveau là. Pas avec beaucoup de motivation, mais j'ai tenté de m'accrocher, de garder ce rythme. Bah écoutez, n'oubliez surtout pas s'il vous plaît de donner votre avis, c'est très 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 important. Et bah, je vous dis entre autres à tout à l'heure pour le concours. Allez, ciao tout le monde!